素。布衣扎摩罗摩罗西罗，苏呀苏。Vient d'arriver, départ de Lucla, direction Fagdin. Voilà, un petit trek facile, mais ça fait du bien de marcher. L'aventure commence. すごいね、この焼き肉。
Voilà, nous sommes au camp de base Louboutché, 4800 mètres. Il fait pas spécialement très froid, mais il neige quand même l'après-midi. Me voilà installé dans la petite tente pour 4 jours, sachant qu'on va faire une nuit en haute altitude, à savoir 6000 mètres. Voilà, pour ma première nuit dans un camp de base, avec mon petit téléphone qui me permet de vous écrire. Vraiment pratique. Voilà. Hello, Mr. Pasang. This is the top of Everest. Montée au camp 1 du Louboutché. Là, on est à peu près à 5000 mètres. Voilà, j'avance doucement, mais le souffle est quand même là. J'ai un bon sac là, bien chargé. Ça fait plaisir. Là, il y a Dawa, Pasang, Digras, tout ça qui sont devant là. Ils sont chargés avec les tentes et de quoi rendre le camp d'altitude un peu plus confortable. Le groupe de japonais suit avec Dandy, avec Galzen. Voilà, un vrai bonheur, il fait beau. Regardez la vue qu'on a avec un manablan derrière. Un vrai plaisir, franchement. Nous voilà arrivés au camp d'altitude Louboutché, 5600 mètres. Voilà, en pleine forme. Demain, on ira faire le sommet à 6100 mètres. Donc voilà, à peu près une heure pour atteindre ce sommet demain. Et le but de cette nuit, c'est de s'acclimater, de mettre son corps à rude épreuve. Voilà. Donc là, je suis dans la tente messe. Bonjour. Avec Diawa, qui parle un petit peu français. Oui. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Maar dat zou bijzonder, de potjes. DSM kan halen, maar die kost het zout zonder de over. Voilà, il est 5h du matin. Nous sommes High Camp Louboutché Peak. Et un magnifique temps nous attend. Regardez l'Everest là. On voit sur le bout de ma cuillère, là, l'Everest. Le Makalu ici. Bah, on sait, mer à pic, Amadablam juste ici. Tamserku, Tabuche, Cholatse. Voilà, regardez un magnifique panorama. On est à 5650 mètres. On vient de faire une nuit un peu courte, mais... Voilà, regardez ces couleurs. Ça manque d'un bel appareil, là. Et reste juste là. Everest. Grand coucou du Louboutché Peak. Voilà, atteint ce matin. Nous sommes à 6119 mètres. Et une jolie vue sur l'Everest juste là.
Voilà. Avec les filles qui font une photo. Le Pumori derrière là. Le Pumori qui est là. Voilà. Super sommet. À Malablam encore. On la rencontre souvent celle-là. Voilà. Super sommet. Très content. Oups. Avec Dendy qui est là. Voilà, très content. Pas de pleurs pour cette fois. No cries this time. No cries. La suite, eh bah, ben. Il est là, la suite. Avril, il est bientôt 10h. Nous sommes entre le Kalapata et le Pumori Base Camp. Voici le magnifique panorama, le Nupsé, le Lhotse, l'Everest, le Lola, l'Icefall, le Base Camp en bas, Everest.
もっと前行って。壊れた？
Voilà, nous sommes au camp 1, 5980 mètres. Exactement. Et puis, je vous ai envoyé un petit message là sur mon téléphone satellite pour vous dire que j'étais bien arrivé. On a fait 6 heures de marche dans l'Icefall là. C'est pas une masse à faire, donc la prochaine fois qu'on va y retourner, ça sera pour le sommet. Voilà, assez fatigant, mais là, on est bien installé dans notre petite tente, il fait chaud. Avec Dandy. Aïe. Aïe. Ah, little bit tired. Today. Nous marchons dans la Combe Ouest, terrain relativement plat, un bon cagnard, hein. Le soleil qui cogne. On peut pas se déshabiller parce qu'il y a un vent qui nous refroidit aussitôt. Donc voilà, magnifique balade. Pas très dur physiquement, mais on a même enlevé les crampons pour moins se fatiguer, tellement c'est plat. Voilà, la Combe Ouest. Avec le reste, juste là. Et nous, on s'en va au camp 2. Nous sommes au camp 2. 6480 mètres. Il est 15h30. Il n'y a pas grand chose à faire, donc on est dans notre tente là. Les copains sont partis à l'extérieur. Les nuages, le vent et le froid ont remplacé le cagnard qu'on a eu ce matin et cet après-midi. Voilà, pour ma part, j'écoute de la musique. 15h40, on laisse passer le temps, gentiment. Notre corps s'acclimate, car c'est la première fois que j'atteins les 6400 mètres. Voilà. Et normalement, après-demain, nous allons sur cette belle paroi. La belle paroi là-bas. Qui est la paroi du Lhotse. Et ouais, ça fait un peu peur, mais normalement on s'en va qu'à la moitié. Voilà, moi. Sur la moitié de la phase du Lhotse, assez fatigué. Comme parce que là-bas, le camp 2 qui est là. Et là, la team qui est en train de grimper. Dandy, Kokyo. Ah, il fait une chaleur, pas possible. On se déshydrate assez rapidement. Toutes les grosses doudounes là. Voilà. On arrive au camp 3 avec Kalzang, Pasang qui a son monté la tente. Oh. Voilà à quoi ressemble le camp 3. Vous apercevez le camp 2 en bas. Voilà à peu près 4h30, 5h d'effort. La montée de la phase du Lhotse est assez fatigante. D'autant plus qu'il y a eu un soleil de plomb. Soleil de plomb. Avec les combinaisons là, c'est, oh, c'est l'enfer. Allez, ça les hommes.
Et demain, direction le camp 4. Nous sommes au camp 3, la fraîcheur arrive après une journée de cagnard. On a eu très chaud dans nos combinaisons. Voilà, j'ai rencontré Oriane, une française qui fait le lot avec oxygène. Et à côté ici, là, nous avons Elisabeth Rovol qui tente l'Everest et le lot sans oxygène. Voilà, je l'ai croisée hier, on a discuté très légèrement. Une petite femme très gentille, mais qui grimpe très vite. Donc voilà, en pleine forme, on va passer la nuit sous oxygène, et puis bah, demain, direction le camp 4. Voilà cette magnifique vue du camp 3. Bien arrivé au camp 4, il est 14h, le camp est une vraie porcherie, vous avez vu les photos. Il va falloir qu'on se repose, l'assaut est à 21h. Et voilà, il fait très froid, il y a beaucoup de vent, donc on est content d'être attendu. Préparation pour le sommet dans, je dirais, une heure et demie à peu près. On va prendre un peu de retard, mais c'est pas grave. Voilà, donc on mange un peu de jambon de pays que m'a conseillé Luc. Donc Luc, petite dédicace à toi, ça fait plaisir, cette petite charcute à 8000 mètres avec vache qui rit. Alors non, du chocolat, de l'eau chaude. Puis on a encore un autre repas qui arrive, mais je sais pas si je vais pouvoir tout manger. Voilà, préparation, un peu de stress. Mais bon, voilà, on va aller. On a de l'oxygène, on est en forme. Voilà, la suite. Rapide aperçu de notre ascension. On vient de dépasser le balcony. Franchement, j'y croyais pas du tout. Ce matin, c'était compliqué. Très dur de se mettre en route. Là, on approche du sommet sud. J'attends d'avoir mon sherpa, de la réserve d'oxygène. On va se quitter. Le Népal, l'Himalaya. La Chine. En pleine forme, super, vraiment super.
Tu vois du monde ? Sur Adendi. Donc là j'attends la surprise du gâteau en fait. Ça doit être une surprise mais je suis quand même au courant. Miro-chan. Happy birthday, Tom. Voilà, ça va venir de là la surprise là, dans quelques minutes. La lumière va s'éteindre. Ils sont forts en surprise. Hein. Waouh! Waouh! Thank you! This is very beautiful! Voilà, nous sommes à 5350 mètres et nous avons un beau gâteau d'anniversaire. One, two, three. Thumbs. In English. Thumbs.
C'est very, very spicy. Yes, bro, yes. This butter, I'll use it very, very good. I don't have some problem with high altitude. This is okay. You go come first, so you need. Ils sont en train de manger des pâtes épicées, mais comme jamais épicées quoi. Too hot. Open. Did I eat very spicy? Yes. My ear, okay. Ear and ear. Yeah, thumbs. Yes, bro. After, and then, I'll eat it.